Service après-vente des élections, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai quelques questions à vous poser sur mon modèle de sénateur. Parce qu'en fait, il y a mon député qui m'a lâché il y a 15 jours et je voudrais m'assurer que le modèle de sénateur dont je suis équipé est un modèle démocratique et républicain. Service après-vente des élections, bonjour. Bonjour, je suis très en colère. Alors là, pour nous refourguer des produits, là, il y a du monde. Mais pour assurer le service client derrière, il n'y a plus personne. Vous êtes tous les mêmes. Moi, on m'a refourgué une députée il y a 3 ans. On m'avait vanté sa fiabilité. Et au final, elle ne fait absolument pas ce que je veux. Alors, je ne dois pas savoir lire le mode d'emploi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Service après-vente des élections, bonjour. Bonjour, oui, c'est pour une réclamation. Alors voilà, j'avais un député avec un système d'exploitation Europe Écologie Les Verts et il a fait une mise à jour Parti Socialiste. Je pense que c'est suite au virus, projet de loi renseignement. Donc je suis vraiment embêtée, je voudrais m'assurer qu'il n'arrive pas la même chose à mon sénateur. Oui, je vous entends bien, madame. Nous allons transmettre, bien sûr, vos remarques et, à tous les sénateurs. Hein. J'ai bien pris note, hein. Ne vous inquiétez pas. J'interviens. Malheureusement, ça se passe pas exactement comme ça. Il n'existe pas de service après-vente des élections. Et si on veut faire valoir notre parole auprès des sénateurs et des sénatrices, eh bien, nous devons les appeler nous-mêmes. Alors, bien sûr, appeler un sénateur ou une sénatrice, ça peut paraître un petit peu impressionnant. Alors, on s'est dit qu'on allait se réunir. Ça serait plus facile si on est plusieurs à les appeler. Vous pouvez donc nous rejoindre le mercredi 27 mai, de 14 à 18 heures, sur le lieu qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Et ensemble, nous les appellerons. Venez, on a besoin de vous. Allô, monsieur François Marc ? Oui, bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions sur le projet de loi renseignement. J'aimerais bien savoir ce que vous allez voter et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quoi encore ?